Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester enfin le Fireflower, ce nouveau système de chauffe de la marque Brohoud avec son foyer Fuck You compatible. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près, c'est parti. Première étape, on va allumer le feu. Alors on constate tout de suite que le Fireflower est de forme cylindrique, ce qui augmente considérablement sa capacité. En effet, on peut y mettre 3 charbons qui seront à l'aise, bien ventilés, sur les côtés mais aussi sur le dessous grâce au fond sillonné de ce bac à charbon. C'est une innovation qui est intéressante parce que ça permet vraiment de mieux ventiler en dessous les charbons et de maintenir sa chauffe. Le côté esthétique, il est plutôt brillant, assez réussi, la fleur est plutôt sympa. Alors par contre, la vis et la rondelle du couvercle sont quand même de qualité assez médiocre. Maintenant, le gros défaut de ce bac à charbon, c'est que la poignée est directement en métal. Il n'y a pas du tout de petite poignée par-dessus en silicone, ce qui rend impossible la manipulation pendant la session. J'ai fait une quinzaine de sessions avec et son état général ne s'est pas trop dégradé. Il est encore quasiment comme neuf, il est bien brillant, donc ça résiste déjà beaucoup mieux que la plupart des imitations Kalhoud. Ça, c'est déjà un fait. Maintenant, à voir dans le temps, vraiment combien de temps ça va tenir. Les finitions ainsi que les vis en dessous, les soudures et tout ça ne sont pas d'un premier choix non plus. Mais pour un produit proposé à ce prix-là avec un foyer, on ne peut pas s'attendre non plus à quelque chose d'irréprochable. Tant qu'il fonctionne correctement, personnellement ça ne me dérange pas du tout. Passons maintenant au foyer Fuck You. Alors il a été conçu spécialement pour s'adapter sur le Fireflower, donc forcément les dimensions sont parfaites. C'est un funnel qui reprend un petit peu le bol de l'harmonie. Je trouve que les dimensions sont à peu près équivalentes. En hauteur, c'est à peu près pareil. Donc pour les fans du foyer harmonie, je pense que vous n'allez pas être déçus avec ce Fuck You. Ce qui est intéressant, c'est que le bol est quand même assez grand, ce qui fait qu'on peut mettre très peu de tabac. Si on désire des sessions courtes de 30 minutes à 1 heure, on peut vraiment en mettre un tout petit peu. Et avec ce genre de système de chauffe, avec une chauffe adaptée, ça fonctionnera très très bien pour de courtes sessions et économique en tabac. Et par contre, il est quand même largement assez profond pour pouvoir bien le bourrer pour faire des sessions de plus de 2 heures. Donc c'est un foyer qui est assez polyvalent, que maintenant à voir pendant la session. Et voilà, on se retrouve. Alors les charbons sont placés à l'intérieur. D'ailleurs, dès le début, je tiens à signaler que c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir mettre ces 3 cubes sans avoir besoin de les casser, de jouer à Tetris pour les placer à l'intérieur. Donc là, les 3 cubes sont posés clac 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 dans le Fireflower. Comme pour un Kalhoud, on attend quelques minutes, entre 5 et 10 minutes, que tout le système se mette en chauffe, le foyer, le tabac, avant de commencer à tirer. Donc là, justement, ça tombe bien. Je vais prendre la première taf tout de suite, ça fait environ 5 minutes que c'est en place. Donc voilà, c'est parti, on va voir comment ça démarre. Donc voilà, avec un bon temps de préchauffage dès la première taf, c'est parti. On a une fumée correcte dès le début. Alors pour la config du jour, j'ai ressorti du placard ma PNX 660 de chez Kaya. J'y ai mis un plongeur en verre qui a d'ailleurs un sacré calibre dessus, ainsi que le foyer Fuck You de chez Brohoud et le Fireflower. Donc on a là un foyer polyvalent, aussi bien pour des sessions express que pour de longues sessions. Ça c'est pas mal, le bac à charbon avec sa grosse capacité, on peut, quand vraiment on veut faire de longues sessions, on peut recharger le Fireflower, donc sans problème. Les amateurs de grosses chauffes ont de quoi faire. Ceux qui préfèrent des chauffes plus douces, il n'y a pas de souci. De toute façon, comme je dis toujours, il faut adapter la chauffe à ce qu'on met dans le foyer. Donc c'est vrai qu'avec une telle capacité, c'est vraiment intéressant. Bien sûr,
On regrettera l'absence de petites poignées en silicone pour manipuler le couvercle pendant la session. Donc là, si jamais on voulait faire, on est obligé d'y aller avec une pince comme ça, de faire attention, etc. Donc c'est pas vraiment l'idéal. Alors sur le mien, le couvercle tourne très mal. Donc je me suis renseigné un peu auprès d'amis qui l'ont également. Et en fait, apparemment, il semblerait que le mien ait vraiment un petit problème. Normalement, ça tourne un petit peu mieux que ça. De toute façon, que ce soit avec ça ou aussi avec le calou d'auparavant, moi, je le laisse toujours fermé. De toute façon, si vraiment il y a un problème et il y a le feu là-dedans, j'enlève le capot complètement. Mais sinon, toujours fermé. De toute façon, ça fait consommer les charbons beaucoup moins vite. Je trouve que c'est un petit peu l'intérêt du truc. Lorsqu'on sait que le foyer plus le Fireflower sont à 40 €, pour ma part, il reste plus qu'à voir dans la durée ce que va devenir le Fireflower au niveau de la qualité. Alors ces petites rainures au fond de ce bac à charbon sont très intéressantes parce qu'elles permettent à l'air de circuler non seulement autour de ces charbons mais aussi en dessous, ce qui fait qu'ils restent rougeoyants beaucoup plus facilement, ce qui fait que la chauffe est plus intense. Et donc on tire la meilleure partie de ces charbons, des calories qu'ils donnent pour chauffer notre tabac. Le Fireflower ainsi que le foyer Fuck You sont disponibles dans la boutique Starbuskel et Hookah Shop Mess. Voilà, c'était la vidéo de présentation et de test du foyer Fuck You couplé avec un Fireflower de chez Brode. Alors l'année commence bien du côté du petit matériel. Donc pour ma part, c'est validé. Niveau qualité-prix, il n'y a pas de souci. Malgré ces petits défauts, on a quand même affaire à un produit qui fait très très bien son boulot. Comme je vous disais tout à l'heure, à voir dans le temps, faire un point dans quelques mois pour voir ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, vous pouvez y aller. Moi, je vais finir ma session tranquillement et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye! Bon, j'arrive pas à les mettre, hein. Vas-y, c'est mort. Tu sais que ça augmente considérablement. Ça découpe ce petit fond. Comment on disait? Rainuré. Rainuré. Ah, ça, je vais le mettre, ça. Ouais, en tout cas, on est devant un pack. Putain, c'est con, c'était bien parti, là. En tout cas, on est devant un pack à 40 €. Je pense que ça va bientôt gagner tout le territoire. Les traces de fou, aussi cool.